Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 7e numéro d'Humanisa TV spécialement dédié à notre loto solidaire, ici en direct de la salle de l'océan à Anglet. Jingle. À quelques minutes de l'arrivée des premiers participants, on sent que la pression monte pour Humanisa 17. L'heure est au dernier préparatif technique. Je sais que quand c'est les 7, quand ils disent 4 et 27, 4 et 3, c'est ça qu'il faut annoncer. Parce qu'un 7, c'est 4 et 3. Merci Jordan. Il est aussi question de préparer le buffet, qui sera servi avant les parties et pendant l'entracte. Bonjour, ben là on est en pleine préparation pour les... cakes, gâteaux, sucrés, salés, pour les gens qui ont les enfants, donc on va voir. Allez, donc il est 19h25, donc c'est bon, tout est prêt pour la soirée, tout se passe bien? Tout est prêt, ça nous a demandé surtout beaucoup de temps, c'était le plus gros événement de la commission, donc c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de préparation pour l'un des événements les plus importants, mais je pense qu'on ne peut pas être plus prêt que ce qu'on est aujourd'hui. Et maintenant. Et donc on attend combien de personnes à peu près pour cet événement? Environ un peu moins de 400 personnes. Voilà, la capacité maximum de la salle. Quoi. Donc ça rapporte, c'est une soirée qui va rapporter combien? Bah, on pense à peu près 4000. C'est vraiment 4000, ça serait c'est l'objectif. Ça serait vraiment c'est l'objectif. Donc du boulot à gagner ce soir? Oui, ouais, très bon. Il y a toute la classe qui s'est bien investie pour aller les récolter. C'est vrai que par rapport à un loto classique, quand même, on est vraiment bien. Les kin et les double kin sont vraiment très remplis. Et en ce qui concerne les cartons sont vraiment de très beaux lots. Allez, ouverture des portes. Le loto s'est ensuite parfaitement déroulé, beaucoup de lots et donc beaucoup de gagnants. Les îles ABTP en tout cas n'ont pas été les plus malchanceux. Et le 14? Oui. Et le 89? C'est gagné. C'est gagné. Et 82. C'est gagné. Tous deux, messieurs. Deux élèves du ZABTP. Donc tous les élèves du ZABTP seront conviés à la bureau. Voilà. Merci, c'est gentil. Le 28. L'entracte a été l'occasion pour les participants de se restaurer et pour Humanisa 17 de vendre ses packs Noël. Un grand merci à Youssef et Louise pour leurs prestations sur le stand de crêpes. Donc pour l'instant tout s'est bien passé, on est à l'entracte, super, on a encore plein de cils, vous voyez, plein de gâteaux, n'hésitez pas à en prendre. Il est enfin important de souligner la prestation de nos maîtres de soirée, Cédric Cornu au tirage et Yacine Coudard au micro. Fin de soirée difficile pour certains, que ce soit du côté des participants ou des organisateurs. Minute 30, fin de la dernière partie. Place ensuite au nettoyage de la salle, en musique bien sûr. Eh bien ça y est, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les équipes d'Humanisa TV.
pouvez toujours consulter notre site internet www.humanisa.fr. À très vite sur un prochain numéro.